Salut à tous, nous revoilà en vidéo, enfin me revoilà en vidéo là pour le coup. Alors pourquoi une vidéo? Parce que j'avais envie de vous parler de la petite mort aujourd'hui. Je pense que cette semaine on va faire plusieurs vidéos. J'ai envie de faire plusieurs vidéos pour vous parler un peu et fractionner les informations. Mais Cannes arrive et j'avais envie de communiquer autour de ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la petite mort, exclusivement de la petite mort. La petite mort est sortie le 15 novembre dernier. Donc le 15 novembre dernier, on était comme des oufs. On était comme des oufs. On sortait quand même un jeu qui nous avait demandé pas mal de travail en très peu de temps. Donc on en a parlé quand même sur pas mal de médias avec François et David Mourier. Beaucoup de fierté ce jour-là. On flippe beaucoup puisqu'on a produit plus de boîtes que d'habitude. Donc on y croyait quand même énormément. Et puis 3 semaines après la sortie, Johan Laurent de BlackRock m'appelle et me dit, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement. On n'en a presque plus. À la fin de la semaine ou lundi, il n'y en aura plus. Et là, donc sur le coup, énorme joie et énorme déception parce qu'on est 1 semaine et demie, 2 semaines avant Noël. Et là c'est le stress. Puisqu'il y a pas mal de boutiques qui n'ont pas pu recommander juste avant Noël. Donc c'est dommage. Il y en a beaucoup qui en avaient encore en stock, donc ça c'est cool, ils étaient un petit peu chargés en stock. Grosse nouvelle aussi, c'est que Trick Track a fait un super carton en 2018, puisqu'en fait, juste sur cette période-là, la petite mort, en fait, est sur le shop Trick Track, la petite mort est troisième meilleure vente du shop Trick Track sur 2018. Donc voilà, c'est super, c'est une super nouvelle. Enfin bref, tout se passe super bien, mais maintenant il faut reproduire. Reproduction, ça part. Début janvier, on a la confirmation, enfin décembre, on savait un petit peu, mais début janvier, on a la confirmation qu'on va pouvoir en avoir un tout petit stock à Cannes, et fin de production, fin février. Donc là, je l'annonce, la petite mort revient dans les bacs, dans les boutiques, pour fin mars, début avril, en fonction de la douane, le transport, tout ce qui peut se passer. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, en fait, c'est les grands méchants. La petite mort en fait arrive avec une nouvelle extension, donc dans une boîte sur laquelle le facteur s'est assis, et puis je pense qu'ils y sont allés en famille, puisqu'elle était quand même bien défoncée quand elle est arrivée. Enfin bref. Et en fait, donc extension La Petite Mort, et dans l'extension La Petite Mort, qu'est-ce qu'il y a? Donc François avait commencé déjà à réfléchir, on en avait déjà parlé aussi lors du jour du lancement avec David Mourier, on s'était dit ouais, ça pourrait être génial, etc. Donc ça c'est le moment où on rêve. Et en fait, bah, c'est arrivé. Donc l'extension La Petite Mort, les grands méchants, dedans il y a quoi? Donc déjà, il y a une demande des boutiques, il y a eu pas mal de boutiques qui nous ont fait un retour et qui nous ont demandé une version 5 joueurs. Donc 5 joueurs, c'est quoi? Ça va être des diplômes adaptés. Donc tous les diplômes de la boîte de base ont été adaptés pour 5 joueurs, donc avec les slots pour pouvoir remplir les conditions de diplôme. Un diplôme inédit, donc ça avec des petites règles de grand méchant dont je vous parle juste après, et la possibilité de jouer toujours pareil avec 5 joueurs. Et donc, 5 joueurs. 5 joueurs, c'est aussi 5 meeples de nouvelles couleurs. Il y a les règles des grands méchants. Les règles des grands méchants, rapidement, puisque je pense qu'on va faire une vidéo, on reviendra dessus. Les règles des grands méchants, c'est quand un grand méchant arrive dans notre main, il va mettre le bazar, il va être très dur à buter, enfin à faucher, il va être très dur à faucher. C'est parfait pour une extension, parce que je pense qu'il faut quand même quelques parties de la version de base pour pouvoir y jouer. Donc voilà, c'est pas plus compliqué, mais ça apporte vraiment, vraiment quelques nouvelles parties sympas en perspective. Donc voilà. Et donc l'extension sort exactement en même temps que le jeu qui revient et sera à 10 euros. Donc voilà, tout simplement. Donc ce sera toujours, comme je disais tout à l'heure, fin mars, début avril. Maintenant, on va parler de l'actualité de Cannes autour de la petite mort. Donc à Cannes, François Bachelard, l'auteur du jeu, sera présent tous les jours, au moins quelques heures. On ne sait pas trop si c'est le matin ou l'après-midi, mais il sera là pour animer la table de jeu de la petite mort, pour aller lui demander des dédicaces. Et David Mourier, l'illustrateur et auteur de la bande dessinée La Petite Mort, sera présent le samedi à 16h30, peut-être un petit peu avant, il passera nous voir, mais bon, c'est pas pour des dédicaces. Le samedi à 16h30 pour dédicacer des boîtes et un goodie spécial dont on vous parlera. On va les recevoir là dans quelques jours, donc je pense que je ferai une vidéo. Un goodies un peu spécial de La Petite Mort. Et en plus de ça, il y aura des goodies qui seront pas assignés, mais il y aura un goodies qui sera personnalisable par David Mourier. Donc je vous en parle plus dans la prochaine vidéo. Mais sachez qu'à Cannes,
On aura des boîtes de la petite mort, on aura des extensions de la petite mort, et on aura David Mourier, François Bachelard qui vont venir faire des dédicaces. Donc en gros, on vous donne rendez-vous en fait à Cannes dans un peu plus d'une semaine, ouais c'est ça, donc 10 jours, pour jouer à la petite mort, pour jouer avec les grands méchants, et pour ceux qui n'avaient pas réussi à obtenir leur boîte et qui sont sur place en fait, n'hésitez pas à passer, on a quand même pas mal de boîtes, et à très bientôt, salut!